It's like a crime, violent and hard. Say at each other, eye to eye. When you're not in the picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me, till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me. La bibliothèque de Maiclœuf, commune du canton du Pays Messin, propose régulièrement des animations à destination des publics dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Eliane Mertès, responsable de la bibliothèque, nous parle de son fonctionnement. 12 bénévoles, avec le plus ancien, Monsieur Schmitt, qui a 85 ans, et le plus jeune, Christophe, qui a 25-30 ans. Elle est assez dynamique, on arrive avec... chaque bénévole a sa spécificité au niveau des conseils de lecture qu'on peut donner aux lecteurs, en fait, car nous lisons toutes beaucoup, toutes et tous. Et donc, y a un vrai échange avec nos lecteurs. La bibliothèque de Maiclœuf se distingue notamment par son partenariat avec l'association Quai à tout, à destination du public de la petite enfance située à Lory-Mardigny. Oui, en effet, on a un partenariat avec l'association Quai à tout, Monsieur Huchin, qui nous rend visite régulièrement tous les mois. Donc, il y a un thème différent pour les bébés lecteurs, et donc on lui fournit. Il fait une demande de livre sur un sujet spécifique, et on lui fournit tous les mois un choix de livre. Marie-Louise, doyenne et à l'origine de la bibliothèque de Maiclœuf, nous raconte les débuts. Bon, la bibliothèque a été créée à l'initiative de M. Chauvin, qui à l'époque était notre intermédiaire entre la MJC et la commune, quoi. Bon, et puis la fédération des MJC. Et c'est lui qui nous a suggéré comment on voulait créer une nouvelle activité à la MJC, dont je faisais partie à l'époque. Et il a voulu créer quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, et il nous a suggéré justement cette bibliothèque. Donc moi, j'ai suivi au départ avec trois autres personnes une formation de 87 à 89 pour pouvoir gérer la bibliothèque, mais on n'avait pas d'ordinateur à l'époque, on faisait tout manuellement. Et puis en 89, elle a donc ouvert au public, et on a eu, c'est vrai, une grosse aide du côté de la bibliothèque départementale. Never complain, never explain.